Bonjour, comment allez-vous? Dans cette vidéo, on va lire et comprendre un texte informatif. Le texte informatif, c'est un texte qui nous donne des informations. Très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une étoile. C'est une étoile. C'est brûlant. Brûlant, yani, tahtira. C'est la terre, c'est la lumière, yani, dou, la lumière. C'est la chaleur, yani, al-harara, har. C'est une planète, c'est une planète. Il fait froid, froid, yani, baret. Il fait chaud. Har, chaud. Énorme. Énorme, c'est-à-dire très grosse. Énorme, c'est-à-dire très grosse. D'abord, on va réviser les mots outils. Le, notre, est, un, les, c'est, une, un, la, plus, des. Dans, elle, en, pas, il, sur, trop. Ouvre ton livre à la page 66. 66. Je commence la lecture. Le titre de ce texte est Tout. Tout autour du soleil. On a dit, soleil, c'est une étoile. Autour, yani, hawalen shames. On commence par le premier sous-titre. Le soleil, notre étoile. Le soleil. Est une étoile parmi tant d'autres. Comme toutes les étoiles, c'est une énorme, énorme, c'est-à-dire grosse boule, yani tabe, de gaz, gaz, yani le gaz, brûlant et rougeoyant. Rougeoyant, yani بتاعتي مثل لون احمر. C'est l'étoile la plus proche de la Terre, la seule capable de l'éclairer. Éclairer, yani هي اللي بتضوي الأرض. Deuxième sous-titre. Autour du soleil. Autour du soleil gravite. Gravite, yani tourne, yani bubron. Des planètes dans la nôtre, la Terre. Comme elle se trouve à bonne distance, yani masafa mniha, elle
profite de sa chaleur, من حرارتها, يعني الأرض تستفيد من حرارة الشمس, et de sa lumière, من الضوء اللي بتعطينا يا الشمس, les autres planètes n'ont pas cette chance. Sur Mercure, Mercure est un nom, c'est un nom d'une planète. Il fait trop chaud. Sur Mercure, il fait trop chaud. Et sur Neptune, Neptune, c'est un nom d'une planète. Il fait trop froid. Maintenant, c'est ton tour. Commence la lecture. Quel est le titre de ce texte? Très bien, le titre est « Tout autour du soleil ». Le soleil, notre étoile. Le soleil est une étoile parmi tant d'autres. Le soleil, c'est une quoi? Très bien, le soleil, c'est une étoile. Comme toutes les étoiles, c'est une énorme boule de gaz brûlant et rougeoyant. C'est l'étoile la plus proche de la Terre. La Terre, c'est-à-dire, c'est la planète où on vit. يعني محل ما نحن عايشين على كوكب اسمه الأرض, la Terre. La seule capable de l'éclairer. Alors, qui éclaire la Terre? Très bien, le Soleil, c'est la seule étoile capable d'éclairer la Terre. Très bien, continue la lecture. Autour du soleil. Autour du soleil gravitent des planètes dans la nôtre, la Terre. Qu'est-ce qui gravite autour du soleil? Très bien. Autour du Soleil gravitent des planètes. Gravitent, c'est-à-dire tournent. Comment s'appelle notre planète? Très bien. Notre planète s'appelle la Terre. Comme elle se trouve à bonne distance, elle profite de sa chaleur et de sa lumière. Donc, le soleil, c'est une étoile. Très bien. On a dit, des planètes tournent autour du soleil et notre planète s'appelle la Terre. Notre planète, la Terre, profite de quoi? Du soleil. Très bien. Elle profite de sa chaleur et de sa lumière. Les autres planètes n'ont pas cette chance. Sur Mercure, il fait trop chaud. Et sur Neptune, il fait trop froid. Quel temps fait-il sur Mercure? Très bien, sur Mercure, il fait trop chaud. Et quel temps fait-il sur Neptune? Sur Neptune, il fait trop froid. Bravo, au revoir.